Salut à tous, aujourd'hui je réponds à une question spéciale Saint-Valentin. À la Saint-Valentin on offre des bijoux, on invite au resto, on offre des chocolats. Moi j'offre des chocolats à la liqueur, comme ça je suis sûr de pécho plus vite, c'est ma petite technique. J'ai un bol de mon chéri juste ici, et la question c'est savoir combien faut-il en manger pour être contrôlé positif à l'éthylotest. Je commence dès maintenant. Du coup, là, j'en ai bouffé 15, donc je pense pas que je sois à plus de 0,8 g par litre de sang, mais on va quand même faire le test. Le test est négatif, mais en même temps, je sais qu'il faut attendre un petit peu de temps avant que l'alcool passe dans le sang. Mais bon, je suis à jeun, donc ça devrait aller relativement vite. Donc bon, ben, c'est parti, on s'y remet. Ok, donc je viens de voir qu'il y a 8 ml d'alcool dans 100 g de mon chéri. Bah putain, je suis pas en lutte. À part que c'est un peu dégueulasse quand même. J'en suis à 30, on va passer au deuxième éthylotest. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus foncé. C'est pas encore ça, mais on y est presque. En vrai, je vais faire une crise de foie avant d'être sous, quoi. Mais comment est-ce qu'ils foutent l'alcool dedans, en fait ? Bon, si vous savez, vous me laissez un commentaire sur ma vidéo. Donc là, on en est vraiment pas loin. Maintenant, je vais les manger un par un et puis je vais attendre un petit peu pour que ce soit plus précis. Dans 4, mon chéri, je suis bon là. Ah bah non, c'est positif. 47, mon chéri. Voilà, on est fixé. Bien évidemment, ça dépend de votre poids, puisque c'est une question d'alcool dans le sang. Mais au moins, maintenant, on sait qu'avec 47, mon chéri, on ne peut pas prendre sa voiture. Si vous avez d'autres questions cons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur mes vidéos YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter et sur mon site internet lesquestionscons.com. Et surtout, abonnez-vous. Moi, je vais vomir. C'est vraiment dégueulasse, mon chéri, en tout cas.